On me demande la question suivante. Un ourlet de pantalon, c'est défait. Peut-on le refaire? A-t-on le droit de coudre pendant Chol HaMoed? Est-ce que cela est considéré comme un maasé idiot, un acte simple que tout le monde peut faire, ou bien comme un maasé ouman, un acte de spécialiste? La réponse est que nos sages permettent, de manière tout à fait provisoire, de faire une couture pendant le Chol HaMoed. Ils exigent, et pas simple, de faire des gros points. Lorsqu'on va réparer l'ourlet, on fera des gros points et on le fera en forme de dent de scie, pas de manière droite. Le but, en fait, c'est que cela ne soit que provisoire et sera appelé à être refait après le Moed, après la fête, afin que l'on ne passe pas son temps du Chol HaMoed à faire des travaux comme ceci. Par contre, s'il y a un besoin, donc, ils ont laissé une espèce d'ouverture pour faire des petites coutures. Un autre exemple, on est obligé de recoudre un bouton. Si vous avez un bouton à trois trous, eh bien, on pourra recoudre le bouton en enfilant seulement deux trous et de manière un petit peu lâche, pas trop serrée, de telle sorte que l'on soit obligé de le recoudre après la fête. Vous voyez donc, faire une petite réparation, un vêtement par exemple dont la fente aura été décousue, eh bien on pourra la recoudre de la manière que je viens d'expliquer, à savoir en faisant des coutures larges et puis de manière non droite, pas droite, de telle sorte qu'on soit obligé de le refaire après Chol HaMoed, après les derniers jours de fête. Bon courage.